con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Que vous êtes en train de dire sur Camilla, ça m'en apprend plus sur vous que sur cette pauvre fille. Et pour votre gouverne, cette jeune fille n'est pas une meurtrière. Vous êtes donc en train de perdre votre temps. Allez-vous-en d'ici sur le champ. Croyez-moi, mère inférieure. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vous le jure, c'est une meurtrière. Je suis là juste pour vous montrer son vrai visage. Comme ça, elle saura que quand je dis quelque chose, je ne plaisante pas. Et que moi, Roberto, je suis capable de faire n'importe quoi pour obtenir ce que je veux vraiment. Mais alors, dites-moi ce que vous voulez de moi à la fin. Venez là. Lâchez-moi. Appelez-la. Je veux que vous l'appeliez. Je veux que vous l'appeliez et que vous lui disiez que je suis ici. Allez. Faites-le. D'accord. Mais pas besoin de vous énerver comme ça. Je vais l'appeler. Allez. Appelez. Appelez. Vous savez quoi? Je n'appellerai personne. Parce que je n'ai pas peur de vous. Ça ne sert à rien d'essayer de me menacer ou de me manipuler. Car rien de ce que vous pouvez dire ou envisager de faire ne me fera changer l'image que j'ai de Camilla. Je sais bien qui est cette jeune fille. Alors, soit vous partez, soit j'appelle la police. La police? Vous allez appeler la police? Appelez-les. Allez-y, faites-le, maintenant! Si vous voulez envenimer les choses, appelez-les. J'ai bien envie de voir comment vous allez réagir une fois que Camilla sera tombée du superbe piédestal sur lequel vous l'avez mise, ma mère. Allez-y! Camilla, quelqu'un est venu jusqu'ici. Il doit être nouveau parce que jamais je ne l'avais vu. Un nouveau, tu dis, Laura? Je trouve ça bizarre, sachant que tu connais quasiment tout le monde ici. Et qu'est-ce qu'il voulait, ce type? Il t'a dit au moins comment il s'appelait? Non. Il était métis, grand, musclé, genre mec de la sécurité, tu vois. Il a posé des questions sur Roberto et il voulait savoir si c'était ton mari. Et bien sûr, je lui ai dit que non. Sur Roberto? Attends, je comprends pas. Un métis? Genre un homme de la sécurité? Ça doit être Santiago, le chauffeur d'Ezekiel. Et donc Max a dormi à la pension avec mon petit soleil? En effet, chef. J'ai parlé avec la gérante de la pension, qui a d'ailleurs la langue bien pendue. Et elle m'a dit que Max était resté dormir avec Camilla. Elle m'a aussi parlé de l'autre type. Ils se sont donc réconciliés. Très bien, Santiago. Bon travail. Mais je veux que tu continues à surveiller ce fameux Roberto. Il y a un truc chez ce type qui ne me plaît pas. Apparemment, c'est un menteur. Parce qu'il raconte qu'il est marié à Camilla, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est trop dangereux que tu restes ici. Il vaut mieux que tu t'en ailles, Gregorio. Je me fiche du danger. Il n'y a que toi, moi, et notre amour qui compte le plus pour moi. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire pour continuer de se voir. Nous ne sommes pas dans un roman fantastique, Gregorio. Notre réalité est tout autre. On est constamment surveillés. Et personne ne veut nous aider.
rentre dans le jeu de ton père. Et tu crois peut-être que c'est facile? Il n'est pas idiot. Si tu dis oui à Chelsea. Tu es complètement fou! Ce type me donne envie de vomir! Oui, je sais, je sais. Et je sais très bien que c'est un malade, mais il faut qu'on s'en serve à notre avantage. Fais croire à ton entourage que tu vas te marier avec lui. Et quand personne te surveillera, on pourra se voir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, ça impliquerait que je me sacrifie toute seule. Non. Savoir que ce type sera à tes côtés et que tout le monde pensera que c'est ton fiancé, ça va me rendre fou de jalousie. C'est pour ça que tu dois lui dire que tu ne veux pas qu'il te touche avant le mariage. Promets-le-moi. D'accord. D'accord, on fera comme ça. Mais il faut vraiment que tu me promettes que si les choses se compliquent et qu'on m'oblige à me marier avec Chelsea, tu viendras à me secourir. Et bien avant qu'il ne soit trop tard. Allez, faites-le! Je vous demande d'utiliser ce satané, ce merveilleux téléphone et d'appeler la police. Dites-leur que je suis là et que j'accuse Camilla d'avoir tué son meilleur ami et frère de cœur, Gabriel. Appelez-les! Monsieur, s'il vous plaît, allez-vous-en. Je vous jure. Je vous jure devant Dieu que quand Camilla arrivera, je parlerai avec elle. Enfin, vous vous rendez compte, mère inférieure, que c'est moi qui ai le dessus sur vous, n'est-ce pas? Alors, la sauvageonne ne vous en a jamais parlé? Non. Venez là. Allez. Asseyez-vous ici, je vais vous expliquer toute l'histoire. Moi aussi, je vivais dans la rue. Tout comme Gabriel et la sauvageonne. Je me souviens qu'il était un peu plus vieux qu'elle. Il devait avoir environ 5 ans de plus. Oui, quoi qu'il arrive, ils étaient tout le temps ensemble. Ils la défendaient de tout le monde. Ils se disputaient et en venaient aux mains avec tous ceux qui essayaient de s'en prendre à Camilla. Cela a dû arriver avant qu'elle n'arrive ici, à l'orphelinat, monsieur. C'est pour ça que je ne sais rien. Bien sûr. Camilla s'est servie de cet orphelinat pour se cacher après qu'elle ait assassiné son meilleur ami. Qui allait venir la chercher jusqu'ici, ma mère? Qui? Vous affirmez dans ce cas qu'elle a dû tuer ce jeune homme. Êtes-vous sûr de vous? Oui. Oui. Je le suis. Alors vous devez avoir des preuves. Alors racontez-moi. Comment ça s'est passé? Quand était-ce? Racontez-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle l'a tué. Elle l'a tué et ensuite elle s'est enfuie. Jusqu'à ce que la police la trouve et l'amène jusqu'ici. Alors permettez-moi de vous dire. Mère inférieure, vous voyez? Que la jeune fille que vous avez élevée est simplement une délinquante. Non. Une vraie meurtrière. Non. Ce sont des mensonges. Camilla n'est pas une meurtrière. Camilla est une bonne âme. C'est une âme pure. Vous êtes le mal incarné. Oui, vous. Vous avez de la rancœur en vous. De la haine. De la rage. Vous voulez juste lui faire du mal. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je vous en supplie. Allez-vous-en. Écoutez, mère inférieure, parlez avec sœur Camilla de la Charité pour que ce soit elle qui vous dise la vérité. C'est clair? Pour que Camilla, cette petite sauvageonne, vous dise que c'est une meurtrière. Parlez avec elle. Au revoir, ma mère. Je suis là parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Je ne sais pas toi, mais moi je trouve que la relation que tu as avec ce type est malsaine. Cet homme joue avec toi, d'accord? Attends, mais depuis quand tu te préoccupes de ce qui m'arrive? De ce que je fais ou ne fais pas? Je me suis toujours préoccupé de toi. Ah oui? À quel moment, durant ces 7 années, tu t'es inquiété pour moi? Quand t'étais en Espagne à me mentir? Avant ou après être devenu curé? Ne te fiche pas de moi, Sébastien.
vous arrive, ma mère? Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous ici. Mon père, vous le saviez. Vous étiez au courant pour ce que cet homme est venu me dire. Sortez, s'il vous plaît. Oui, oui, Sœur mon père. Sœur Idalia, s'il vous plaît. Je ne peux rien vous dire. Le secret de la confession. Cet homme vous a tout raconté. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est appeler Camille. Pas question. Non, parce que c'est ce qu'il voulait. Nous ne pouvons pas non plus appeler la police. Parce que c'est justement ce que Camilla redoute. Et nous n'avons aucun droit de la dénoncer. Ma petite n'est pas une meurtrière. Ce n'est pas une meurtrière. Je le sens au fond de mon cœur. Je le sais. Mon cœur me le dit, mon père. Ce n'est pas une meurtrière. Je le sais. Croyez-moi. Arrête, s'il te plaît, va-t'en. Je suis sérieuse. Las palabras quedan cortas porque eres indescriptible. Flor bonita y susceptible. No me importan tus problemas. Qué dilema el que dirá. Arrête, s'il te plaît, écoute-moi un peu, d'accord? Après ce qui nous est arrivé, je ne veux pas qu'on ait des relations comme ça. Excuse-moi, Julia. C'est juste que je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime tant que je voudrais que l'on scelle notre amour. Ne gâche pas ce dont on a parlé. Moi aussi, j'ai envie d'être ta femme. Mais pas de cette façon-là. Je veux que ce soit un moment spécial. D'accord. Je saurai trouver le moment. Bon, allons-y. Mon père est dans la maison. Je vais te faire sortir par la cuisine. Sarah, ce que tu es en train de faire sent divinement bon. C'est bizarre que ça te plaise parce que c'est du porc et tu n'en manges pas. Ah, ma chère Julia. Heureusement qu'il est parti. S'il était resté plus longtemps, vous auriez pu vous faire prendre. Merci, Sarah. Tu m'as sauvé la vie. Promets-moi que ça restera notre secret. C'est promis. Mon père est rentré? Oui, il est dans le salon. Je ne veux pas qu'il tombe sur Gregorio dans le jardin. Ce fou ne se cache même pas. Oui, monsieur. Tout va bien ici? Ah, Santiago, frappe à la porte au moins ou mets une clochette à ton cou, je sais pas. Tu m'as fait sursauter. Ma mère. Bonjour. Que Dieu te bénisse, ma fille. Comment allez-vous? Bien. Bonjour, Idalia. Comment ça va? Mère Isabelle, sœur Idalia, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Et père Tiziano? Il va bien, Camilla. Il se repose juste un peu. Il a légèrement mal au dos. Ah. Et vous pouvez me dire ce qui se passe? Parce que Mère Isabelle fait une tête de 6 pieds de long, ça fait peur. Eh bien, ma fille, je voulais venir personnellement te parler parce que... Roberto est venu à l'orphelinat me voir. Ne me dites pas que cet enfoiré vous a dit... Oui. Il m'a dit. Il m'a raconté que tu étais une meurtrière, ma fille, mais je ne l'ai pas cru. Je ne le crois pas du tout. Je sais que c'est un grand menteur. Oui. Dis-moi que tu n'as tué personne, s'il te plaît. Dis-le-moi. Camilla. Camilla, ce sont des mensonges, pas vrai? T'as pas tué? Non. Ma mère, c'est sûrement une invention de ce monsieur pour réussir à vous faire peur. C'est forcément un mensonge, pas vrai, Camilla? Quel salaud. Je vais l'attraper et je vais le frapper. Tu vas voir. Écoute-moi, sale ordure. Qu'est-ce que t'as été raconté à... Tu as parlé à la mère Isabelle. Je t'avais dit que j'étais sérieux. Calme-toi, Camilla, s'il te plaît. On va discuter, d'accord? Qu'est-ce que cet homme vous a raconté? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hein?
Il m'a raconté que... qu'avant que tu n'arrives à l'orphelinat, tu as tué un de tes amis qui se prénommait Gabriel. Que la police t'a attrapé, mais que tu t'es enfui quand... C'est vrai ! C'est vrai ! Camilla ! C'est vrai ? Oui, ma mère. Je l'ai tué. Je suis une meurtrière. Amélia, je n'avais dit à personne que j'étais entrée au séminaire, parce que ça me faisait peur. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te faire souffrir. Je n'avais rien dit à ma famille, ni à mes amis, ni à personne. Tu sais, je m'en fiche. Rien de tout ça ne justifie le temps que j'ai perdu à aimer un homme qui ne sera jamais fait pour moi. Et maintenant, tu viens me dire du mal d'Axel ? Tu viens me dire que tu t'inquiètes de ma relation avec lui ? Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je veux simplement être bienveillant avec toi. Tout ce que je veux, c'est que tu ne souffres pas à cause de cet homme. Ah, mais si c'est pour toi, je peux souffrir, pas vrai ? Dans ce cas-là, ça ne t'inquiète pas du tout. Laisse-moi te dire qu'Axel est un type merveilleux. Et que c'est toi qui me fais du mal en venant ici et en me disant ce que tu ressens pour moi. Parce que je ne veux pas de ta bienveillance, Sébastien. Je veux ton amour. Je te veux sans t-shirt, en boxer, en pyjama. Que ce soit dans le salon, dans la chambre ou dans la cuisine, mais ce n'est pas dans cette tenue qui me rappelle que l'amour que j'ai pour toi est impossible. C'est vrai, Elda. Rosa Blanco veut me voir. Ah non, n'y va pas, je t'en prie. Non. Enfin, non, si, vas-y. Mais si tu y vas, vas-y avec ton ami policier et mettez-la en prison pour de bon parce qu'elle s'en est sûrement échappée alors que sa place est bel et bien là-bas. Elle a déjà sûrement purgé sa peine, Elda. Qui ça ? Ah oui, bien sûr. Elle a purgé sa peine et c'est donc pour ça qu'elle veut te voir. Ce que je ne comprends pas, c'est... pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces personnes ? Pourquoi veut-elle me voir après tout ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. C'est un piège. Elle a désormais une raison suffisante de s'en prendre à toi. Enfin non, de s'en prendre à nous. Non, en fait, n'y va pas. Non. Enfin si, vas-y. Il vaut mieux que tu y ailles, parce que sinon elle va s'en prendre à Astrid, notre fille. Et elle n'a pas à payer pour les pots que nous avons nous-mêmes cassés. Ah, oh, Luciano, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne peux pas la laisser faire ça. Arrête, calme-toi, Elda. Rien de ça n'arrivera pas. Et s'il faut que je risque ma vie pour vous protéger d'elle, eh bien, je le ferai. Ah, et pourquoi tu arrives comme ça ? Tu veux nous faire peur ou quoi ? Quoi ? Tu me surveilles encore ? Je le fais pour votre bien. Non, tu le fais pour faire plaisir à mon père. Mais ne t'en fais pas, tu vas pouvoir te reposer. Je ne compte plus revoir Gregorio de toute ma vie. Arrête de me surveiller. Je ne veux plus qu'il s'approche de moi, t'as compris ? Il m'a fait beaucoup trop de mal et je préfère le rayer de ma vie. J'arrêterai de vous surveiller seulement quand votre père me l'aura ordonné. Ah, parfait alors. C'est facile. Où est mon père ? Là où il est d'habitude. Mais faites attention à ce que vous dites et à la façon de le dire. Parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Papa, je veux que tu dises immédiatement à Santiago d'arrêter de me surveiller. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que j'ai mis fin à l'histoire qu'il y avait entre Gregorio et moi. J'ai compris que ce type voulait me faire du mal et je te demande pardon pour ne pas t'avoir écouté. Je le déteste. Je trouve ça très bien. C'est très bien, mon trésor. Je suis content pour toi et pour moi. Mais Santiago va continuer de te surveiller. Mais pourquoi, papa ? Je t'assure que c'est la vérité. Je ne veux plus jamais le voir. Tant que tu ne m'auras pas prouvé que ce que tu es en train de me dire est vrai, que tu n'auras pas regagné ma confiance, Santiago continuera de te suivre partout. Et je te félicite, ma belle. C'était une décision très judicieuse. Octavia, inutile de me féliciter. Tu n'as pas entendu mon père ? Il s'en fiche que j'ai le cœur réduit en miettes. J'ai renoncé à mon premier amour parce qu'il ne te convenait pas. Et toi, tout ce que tu fais, c'est me balancer mes erreurs au visage. Mon trésor, mais ne dis pas des choses aussi méchantes à ton père. Écoute, ce n'est pas vrai. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Bien sûr que si, ma chérie. Octavia, emmène-la et console-la pour que ces choses-là, les femmes sont meilleures que nous. Allez. Viens, ma chérie. Tu te rendras compte que c'est la meilleure décision. «
C'est tout ce que tu nous cachais, pas vrai, Camilla? Qu'est-ce qu'il y a, Camilla? Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu fais ici, Max? Ma mère, ne me dites pas que vous l'avez appelée pour lui dire. Ah non, non, arrête. Non. Mais je considère, du fait que Max soit ici pour parler avec lui, c'est peut-être ça. La solution à ton problème, ma fille, que tu lui racontes tout. Je vous laisse discuter. Je vous accompagne, ma mère. D'accord. Que Dieu te bénisse, ma fille. Au revoir. Allons-y, ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Camilla? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est à cause du chantage de Roberto. Raconte-moi tout, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Serre-moi fort, Max, s'il te plaît, serre-moi fort. Serre-moi fort comme si tu voulais me briser les côtes, s'il te plaît. Serre-moi fort, dis-moi que tu m'aimes, que c'est tout ce qui compte pour le moment. Je t'aime, Camilla, je t'aime. Je t'aime. Tu le sais, pas vrai? Alors accorde-moi un moment, d'accord? Donne-moi une chance d'organiser mes idées pour m'armer de courage et calmer cette douleur horrible que je sens au fond de moi. Je vais tout te raconter, Max, je te le promets, mais laisse-moi me calmer. D'accord, d'accord. Tu veux que je reste ici avec toi ou que je m'en aille? Il vaut mieux que tu t'en ailles. J'ai besoin d'être seule pour le moment. Amélia, je sais que ce que je vais te dire va te paraître absurde. Mais je sens qu'il est de mon devoir de te conseiller de veiller sur toi comme si tu faisais partie de mes paroissiens. Ne sois pas ridicule, Sébastien! Je ne veux pas faire partie de tes paroissiens, hors de question. Tu ne comprends pas que je t'aime. Je t'aime tellement. Ne sois pas hypocrite! Ah, pardonne-moi, Sébastien. Pardonne-moi, non, je ne voulais pas te donner une claque. Calme-toi, ce n'est pas grave. Amélia, rien de ce que tu peux me faire ne me fera avoir de la rancœur pour toi. Amélia, je ne veux pas que tu penses que... Je t'ai simplement pris dans mes bras parce que j'ai senti que tu avais... Ne t'en fais pas. J'ai compris. Amélia, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne parle plus de ça. Non, ne t'en fais pas. On était simplement en train de discuter, il ne s'est rien passé. Tu peux y aller. On va pas t'excommunier pour un câlin, non? Horrible, qu'on monte un plateau dans ma chambre et qu'on ne me dérange pas. Ah, chérie, il faut que l'on te parle. Quoi encore? Vous avez déjà dépensé tout l'argent que je vous ai donné? Chérie, nous avons vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Rosa Blanco a rappelé, elle a dit qu'elle voulait me voir. Et cette femme n'est pas revenue ici par gentillesse. Ne pas la voir, et voilà, fin du drame. Tu sais quoi? Si, va la voir. Mais vas-y avec Torrealba. Pour qu'il la mette en prison avec cette satanée gamine. Comme ça, on sera tous très heureux. Chérie, cette histoire avec Rosa Blanco n'est pas si simple, alors arrête avec tes blagues. Je n'en ai rien à faire de cette femme et de ce qu'elle peut faire. Moi, je veux me marier avec Max, ok? Sauf que cet imbécile a embrassé l'autre peste de Camilla. C'est vous qui allez m'aider à avoir l'homme que j'aime? Non, pas vrai? Alors arrêtez de m'embêter, sinon que Rosa Blanco vous tue. Voilà pour vous.
pour que vous continuiez de... C'est pas la peine, monsieur de la Rosa. Je veux plus être mêlée à ça. Et je n'ai pas rempli la mission que j'avais. Alors vous n'avez rien à me donner. Et Ezekiel ? Il sait quelque chose ? Il vous a démasqué ? Non. Alors acceptez le chèque et continuez d'enquêter, continuez vos recherches. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui pourra nous servir. Merci pour cette offre, monsieur. Mais non. Cet homme, Ezekiel, c'est un monstre. Et moi, je ne veux pas être une autre de ses victimes. Excusez-moi. Tu te rends compte ? Cette femme est terrorisée. Elle tremblait de peur, papa. Ezekiel l'a démasquée. Peut-être même bien qu'elle nous a vendus. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien maintenant, il va falloir que j'aille parler personnellement avec Leandro. Tu veux que je te tienne compagnie ? Oui, mais juste un peu, Yeli. J'ai pas du tout envie que tu te mettes à parler et que tu me poses des questions sur Gabriel. Eh ben si, je vais te parler. Mais pas vraiment de ça. En fait, tout ce que je veux, c'est de changer les idées, d'accord, Camilla ? Je vais te parler de Fernando. Ah, oh, c'est pas vrai. Tu recommences encore avec ta pseudo-histoire d'amour avec ce type. Oh, mais il est tellement beau, Camilla. Il est tellement beau et en plus, il me traite toujours bien. Il est gentil, il est attentionné, il me demande toujours ce que je veux. Et en plus... Et il m'a dit qu'il m'aimait, Camilla. Oui ? Enfin, non, il me l'a pas dit exactement avec ses mots, mais... Mais c'est ce qu'il a voulu me faire entendre, tu comprends ? Yeli, mais enfin, tu te rends pas compte que ce type est comme un fruit pourri dans une corbeille de fruits frais ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a encore raconté ? Je t'assure, Camilla, c'est tellement beau. Et je voudrais que ça dure toute la vie. Parce que moi aussi, je l'aime. Je te l'ai déjà dit, Yeli, fais attention avec lui. C'est le fils de Fausto Aragon. Et avec cette famille-là, moi je te le dis, il vaut mieux rester sur ses gardes. Mais bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est comme ça, on s'y fera jamais. J'espère que nos histoires se passeront bien. Et que ce sentiment durera pour toujours. Mon Dieu. Agarrate el pantalón. Enfin, tu ne vois donc pas que Moïsès va arriver d'un moment à l'autre ? Ce soir, déshabille-le violemment et mange ce petit sucre d'orge d'une traite. Rosario, je t'en prie. Tu penses vraiment que je suis ce genre de femme ? Évidemment que je le suis. Cette nuit, je vais même y mettre les mains pour attends, le manger, la belle. Bois une goutte de rhum pour ah, la mauvaise haleine. C'est ce qu'il me faut. Allez, c'est vas-y. C'est ce qu'il me faut, allez. Voilà. Ah, c'est bon. Le voilà, c'est il bon. Est là. Comment est-ce que je suis ? Ça va aller ? Attends, mets Lolo. Mais ça va voilà, comme ça ? Super. Allez, vas-y. Attends, vas-y. Va-t'en, allez, file. Mouah, ce que t'es beau, Moïsès. Où est-ce qu'on va ce soir ? Nulle part. J'ai mal au mollet parce qu'aujourd'hui... J'ai travaillé les jambes à la salle de gym. Ah, aujourd'hui, tu as travaillé les jambes. Oui. Ça veut donc dire que tu ne peux pas rester longtemps debout, c'est ça ? On ferait mieux de rester ici. Sers-moi un verre de rhum. Non, mon amour, ça suffit maintenant. Je ne veux plus d'excuses à la noix, c'est compris ? Alors arme-moi ce fusil, parce qu'on part à la guerre sans plus tarder. Un petit whisky, capitaine ? Non, merci beaucoup. Pourquoi m'avez-vous appelé ? Rosa Blanco veut voir Luciano. Mais c'est une très bonne nouvelle. Où a lieu la rencontre ? En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Cette nouvelle n'a strictement rien de bon, vous savez. Non, parce qu'il s'avère que cette elle femme... Elle m'a contacté, capitaine, pour me voir. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est moi qu'elle a choisi pour parler. Je ne vois vraiment pas quelles sont ses intentions. Ne vous en faites pas, Luciano. Je vais vous accompagner, avec deux ou trois de mes hommes. Y compris pour le bien de Rosa Blanco, il est préférable de faire comme ça. Non. Vous devez parler avec elle, mais calmement. Mais pourquoi elle, hein ? Ce n'est pas ce que tu voulais ? Qu'on la mette en prison ? Capitaine, ne l'écoutez pas. Quand elle est nerveuse, elle change d'avis à chaque instant. Ah, ça suffit. Arrête. Capitaine,
Vous croyez vraiment que si vous arrêtez Rosa Blanco, c'est pour son bien ? Oui, je crois, et c'est ce qu'on va faire. Tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, papa ? Je dis pas ça par peur que le malade te fasse du mal, bien sûr que non, mais... Mais c'est parce que là, il est question de kidnapper le fils d'Ézéchiel. En tout cas, sache qu'on n'a pas non plus peur de ce sale type. Mais tu nous l'as dit plusieurs fois, il faut agir intelligemment, et... Et kidnapper Leandro, c'est pratiquement une déclaration de guerre. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez tous les deux raison. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il va falloir que ce soit moi qui discute personnellement avec Leandro, que je lui sorte les vers du nez, et cela sans lui faire le moindre mal. Et j'espère bien que vous ne lui ferez rien. Regarde bien, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui vas voir les étoiles, Moïsès. Todos me miran y saben que estoy bastante atuñada y con mucho sabor. No me interesa que piensen de mí, si solo al verme me siento feliz. Oh, Rosario, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je ne l'ai jamais fait avec deux filles. Ce n'est pas pour aujourd'hui, petit pervers. Rosario, tu m'expliques ce que tu fais ici, en train de nous espionner? Xavier est en train de m'appeler. Je fais quoi? Qu'est-ce que Aide-moi. Tu fais? Eh bien, tu vas dans ta chambre et tu lui réponds. Mais va-t'en d'ici. Va-t'en, on en reparlera plus tard. Debout. Allons-y, soldat. Au garde à vous. Aujourd'hui, tu vas me prouver que tu es vraiment un homme, un vrai. Pourquoi tu suis comme ça? Pourquoi tu ne fais rien? Déshabille-toi, mon garçon. Non, je ne peux pas. J'ai l'impression de me faire violer. Et en plus, avec ta sœur qui nous regardait... C'était pas mieux. Je n'ai plus du tout d'énergie. Le soldat a commencé à stresser et ça m'a coupé toute envie. Ça veut dire que... Tu veux dire que le Père Noël ne va pas m'apporter mon cadeau? Rosa Blanco a décidé de revenir pour se venger de tous. Il vaudrait mieux l'arrêter, capitaine, avant qu'il n'arrive quelque chose de très grave. Pourquoi vous en avez si peur? Écoutez, il y a 25 ans, Rosa Blanco a été maltraitée par les Aragon de la Rosa. Mais cinq années plus tard... Tu n'as pas besoin de dire ça. Au contraire, madame. Plus vous me donnez d'informations, mieux c'est. Continuez. Elle a été victime d'une trahison. De la pire de toutes les trahisons. Rosa avait confiance en... Tais-toi. Le capitaine se fiche de cette histoire. Ce qui intéresse le capitaine, c'est que Rosa Blanco témoigne pour pouvoir mettre Ézéchiel en prison. Ce que vous cherchez à me cacher, c'est justement ce qui m'intéresse le plus. Continuez. Écoutez, il vaudrait mieux que je rencontre Rosa. J'attends qu'elle m'appelle et qu'elle me fixe un rendez-vous. Je vous ai offert mon aide. Mais tout ce mystère qu'il y a entre vous, ça ne me dit rien qui vaille. Surtout votre attitude, madame. J'espère que je me trompe cependant. Si ce que vous me cachez est aussi grave que je le pense, vous aussi, vous risquez d'avoir des problèmes. Il est encore tôt et vous êtes déjà au taquet, monsieur Lopez Mendez. Qu'est-ce que vous voulez? Mon petit soleil, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors je t'en prie, accompagne-moi. Bon, alors écoutez, monsieur, je ne peux pas décliner votre invitation. Vous le savez, il faut toujours accepter quand on nous invite à manger. Parce que dans la rue, j'ai appris qu'on ne sait jamais quand sera notre prochain repas. Mon petit soleil, je t'ai fait appeler parce que je suis très inquiet pour toi. Et pour cet homme qui se fait passer pour ton mari. Alors que nous savons tous les deux que ce ne l'est pas. Eh bien oui, c'est juste un ami. Nous savons également tous les deux que ce n'est pas non plus ton ami. Monsieur Lopez Mendez, si vous savez déjà tout ça, pourquoi l'avoir embauché ici? Pour t'aider, vu que... Je croyais avoir donné du travail à ton supposé mari. Mais il s'avère que ce type a une attitude très suspecte. Et que ce n'est même pas ton mari. Suspecte, vous dites? Attendez, vous entendez quoi par suspecte? Mon petit soleil, il y a quelque chose que tu veux me dire ou me raconter? Non. Non, il n'y a rien. Non. Bien, dans ce cas, je n'ai rien d'autre à ajouter.
Je te souhaite une excellente journée de travail. Merci. Oui, oui, vas-y, sers-toi. Merci, excusez-moi. Eh bien alors, personne ne dit bonjour à la propriétaire de ce salon ici, alors j'attends. Oh my god. Ça sent les carences sexuelles. Il t'a encore laissé sur la touche, c'est ça? Mais dis-moi, en quoi ça te regarde, hein? En quoi ça te regarde? Tu sais quoi? Tu peux te jeter d'un pont et tout le monde sera content, chérie. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Xavier m'a téléphoné. On doit se voir aujourd'hui. Toi, tu travailles pas, hein? Dès que cet Apollon aura passé cette porte, je te préviens, je lui saute dessus et je dévore. Tu peux travailler correctement pour bien faire n'importe quoi. Tu crois que je te paye à rien faire, c'est mais ça? Mais regardez donc qui va là. On t'attendait, mon petit brave. Viens ici. Viens par là. Par là, arrête-toi ici. Maintenant, tu vas me dire si tu as des problèmes. Eh bien oui, comme tout le monde. Mais ça alors? Mais des problèmes, mon mignon. À ce niveau-là? Quoi? Pas du tout. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Ah oui. Alors pourquoi avec moi tu as toujours le drapeau en berne? Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'animer, mon amour? Un hymne national? C'est ça le problème. Tu es très dominatrice. Et certains hommes n'aiment pas les femmes comme ça. Laisse-toi dominer et tu vas voir que tu vas aimer chevaucher cet étalon fougueux et sexy. Hey. Allez, 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 viens. Et tais-toi. Ferme là. Allez, ils sont en train de kidnapper, s'il vous plaît. Reçu. Viens. Arrête, lâche-moi. Tu te calmes et tu montes tranquillement dans la voiture. Allez. Avance. Au secours. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas à accepter un chèque de votre part pour un travail qui n'a jamais existé. Tiens donc, l'espionne est prise de remords. Moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir rester saine et sauve. Et sur mon fils Leandro, vous n'avez rien d'autre? Non. Tout ce que j'avais, je vous l'ai donné. Je trouve ça très bien. Parce que ce serait dommage qu'une femme aussi belle que vous perde la vie à cause d'un enregistrement. Excusez-moi. Vu comme elle a trahi Fausto, elle pourrait très bien me trahir. Tu m'as fait appeler, Julia? Ah, salut, Chelso. Oui, c'est... Écoute, je t'ai appelé pour te demander pardon pour toutes les grossièretés que je t'ai dites. Et comment ça? Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai été très méchante. Et tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que je te dis ça qu'il va y avoir quelque chose entre nous. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. Et qu'est-ce que tu proposes, Julia? Parce que moi, je t'aime. Chelso. Chelso, écoute, le problème, c'est que toi et moi, on s'est fait tellement, mais tellement de mal, que s'il se passe un truc entre nous deux, ça sera seulement de l'amitié. Une très, très, très belle amitié. Ah, d'ailleurs, ton téléphone. Merci beaucoup, mais je m'en suis acheté un autre. Mais Julia, tu n'as pas à être aussi radicale. Tu sais, je n'ai aucune rancœur. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si toi et moi, on repartait sur de bonnes bases. Et si on repartait à zéro? Viens, mais c'est d'accord, Chelso. Repartons à zéro. Eh, hey, merci. Merci, ma sauvageonne. Je t'en demandais pas tant. Rends-moi ça, Roberto. C'est pas à moi. Calme-toi. C'est bien toi qui avais ça, non? C'était bien à toi? Écoute, c'est la recette des produits que j'ai livrés. Je vais pas la voler. Rends-moi mais ça, moi maintenant. Moi, si. C'est à moi, désormais. Et tu as intérêt de ne le répéter à personne, compris?
Parce que sinon, ça va mal aller. Écoute, tu sais quoi? J'en ai assez de tes menaces, Roberto. Tu me tapes sur les nerfs, t'es un pauvre type. Ça t'a pas suffi de vouloir me terroriser? Il a aussi fallu que t'ailles jouer les langues bien pendues en allant tout raconter à Mère Isabelle. Ah mais ça t'a plu? Ça t'a plu que je sois allé raconter à la mère inférieure, pas vrai? Et calme-toi, Camilla. Parce que le prochain qui j'irai tout raconter si tu me désobéis, c'est Max. Te voilà prévenu, ma petite. Allons-y pour que tu m'aides. Allons-y pour que tu m'aides parce qu'il faut terminer de voler tout ce que Xavier a dans la chambre forte. Tais-toi, imbécile! Celle qui va se taire maintenant, c'est toi. J'en ai assez maintenant! J'en ai marre de toi! Et je ne vais pas t'attendre indéfiniment, c'est compris? Avance! Avance! Mais lâche-moi! Oui, s'il vous plaît. Annulez la réunion que j'avais aujourd'hui avec l'équipe de création. Je ne peux pas venir au bureau, je me sens mal. Merci. Salut, Axel. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Eh bien, si. À partir de maintenant, ce sera tous les jours ton anniversaire. Mais ne t'en fais pas, c'est pas pour autant que tu vas vieillir et devenir toute fripée comme un raisin. Je voudrais que chaque jour soit un jour spécial pour toi. Ah, je t'en prie, Axel, éteins ça, d'accord? D'accord. Merci. Ça tombe bien que tu sois là, Axel, parce que il faut que je te dise quelque chose et je ne sais pas si ça va te plaire. Bonjour. Ma mère. Entrez, entrez, je vous en prie, entrez, entrez. Asseyez-vous. Merci. Quelle surprise de vous voir ici. L'entreprise se sent totalement bénie par votre présence. En quoi puis-je vous aider? Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Cela va concerner notre Camilla, Monsieur Lopez Mendez. Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon petit soleil? Eh bien, il s'avère qu'elle rencontre un problème vraiment très grave et... Et je vous prie de m'excuser, mais... Je ne savais pas à qui faire appel, vraiment. Donc je suis venue. Vous avez bien fait, ma mère, vous avez bien fait. Parce que s'il s'agit de mon petit soleil, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Mais dites-moi, quel est le problème de Camilla? Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta y